Bonjour mes chéris, mes Verseaux, c'est à votre tour, flash sentimental, flash rapide. Alors, on va faire qui? On va faire mes célibataires. Merci pour tout, merci infiniment du fond du cœur pour votre fidélité, vos likes, vos commentaires, vos abonnements. Et puis à droite, vous avez la petite cloche pour vous indiquer en fait quand il y a une nouvelle notification, quand je poste une ou des nouvelles vidéos, il faut l'actionner. Alors, on va regarder immédiatement. Les célibataires, qu'est-ce qu'on a? Un petit flash, ça fait du bien. On va voir. Le diable, bah d'accord, ça commence bien. Eh ben. Moi, bien sûr, je ne sais jamais ce qui va voler, ce qui va sortir comme carte. Bon. Il y a une ex ou un ex là. Là, il y a une ex ou un ex qui revient, qui agresse par des mots, qui est violent ou violente, hein, qui agresse parce que vous ne voulez pas vous remettre avec. Hein. Vous avez envie de vous reconstruire, vous plonger dans le travail. Pensez à vous, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, vous avez quitté cette personne, vous avez eu des difficultés parce que vous l'aimiez, hein, cette personne. Peut-être encore il y a des restes, mais en fait, elle vous a fait trop de mal. Et oui, on a commencé par le diable. Elle vous a fait trop de mal, cette personne. Donc, c'est une personne, il ou elle, hein, vous adaptez. Hein. Ah oui, vous revenez de loin avec cette personne. Donc, peut-être qu'on a une ex ou un ex là qui peut revenir. Ou alors, en fait, vous essayez à tout prix d'oublier une ex ou un ex et d'avancer. Et d'avancer en vous focalisant plus sur le travail ici. Et puis peut-être sur les finances, le matériel, rééquilibrage des choses. Peut-être même commencer une formation, une nouvelle voie, vous voyez. Mais j'ai quand même le coup de foudre là ici, hein, mes chéris. Hein. Il y a quelqu'un qui va rencontrer une personne, là, on a le coup de foudre. De toute façon, vous l'avez rencontré, vous discutez, et puis... ouais, vous avez besoin aussi de vous retrouver avec vous-même, la paix intérieure, hein, la tranquillité. Hein. Je ne sais pas ce qu'une ex ou un ex vous a fait, mais vous avez vraiment besoin de tranquillité. Hein. Là, j'ai quand même un coup de foudre, on va voir. Alors, moi, j'ai le poussin, la nouveauté. On va voir. La souplesse, bah, on s'est négligé, bah, là justement, on s'est négligé, on a été dur avec soi-même, on va être plus souple avec soi-même et on va se permettre cette nouvelle relation. Hein. Cette nouvelle relation, vous allez vous permettre en fait. En fait, elle vous fait du bien, vous êtes attiré, non, c'est la prudence. Pourquoi j'ai eu ça? Ah bah j'ai la rencontre ici. Bon, vous êtes prudent et prudente, vous avez raison. Car il faut l'être. Et j'ai la rencontre ici, mais je vais continuer du coup. Je sais pas, j'ai vu l'attirance, les deux cœurs. Mais elle s'est replacée, la carte. Ah, vous allez être clair avec cette nouvelle personne. Vous allez être très, 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 très clair avec cette nouvelle personne. Parce que, en fait, si vous voulez, moi, je pense que vous n'avez pas totalement guéri, mais vous en avez marre de la solitude, vous allez être avec cette personne et vous allez lui dire, par contre, moi, je ne veux pas de prise de tête parce que j'ai assez souffert comme ça, mais vous êtes, il y a le cœur à comment dire, à guérir, c'est pas terminé. Hein. Mais voilà, ça vous fait du bien parce qu'il y a de la tendresse et tout ça, pour l'instant, c'est comme ça. Alors moi, je pense que c'est l'autre qui le coup de foudre plus que vous. Après, vous adaptez, hein, c'est pas grave. Mais j'ai l'impression que non, c'est plus l'autre qui a le coup de foudre et que vous, vous lui dites « Ouais, 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 mais doucement parce que moi, je reviens de loin. Moi, peut-être, voilà, ça vous arrange de ne pas être célibataire, d'avoir une personne. C'est plus la tendresse, les beaux moments. » Et puis chacun chez soi et on verra plus tard. Peut-être que cette personne, elle va un peu trop vite aussi.
Et donc, il va falloir la freiner, vous avez raison, parce que sinon ça va vous faire peur et ça va vous prendre la tête. Je pense que cette personne, elle va vous faire peur. Parce que cette personne, elle va vous parler, oui, si, tu vois, si ça se passe bien entre nous, ben voilà, on peut vivre ensemble et tout ça. Waouh, 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 ne mettons pas la charrue avant les bœufs. Et vous avez raison, vous avez besoin de temps. Il faut y aller doucement. Doucement, mais sûrement, quoi. Ok. Et mes couples, qu'est-ce qu'on a? Aussi rapide, hein, c'est un flash. Alors, 4 ici, c'est l'autre. Et 4 à droite, c'est vous. Gauche, droite. Donc, gauche, l'autre. Droite, vous. Mais des fois, c'est inversé. Donc, c'est à vous de vous placer, mes chéris. 4, 4. Allez, mes Verseaux. Joli cœur. Bon, ben j'ai la tromperie, l'adultère. J'ai quelqu'un qui est avec deux personnes à moins, enfin une triangulaire, à moins que vous soyez au courant. Là, c'est les stratégies. On essaie d'attirer cette personne à nous totalement, qui est prise, mais il y a quand même des conflits, la dualité. Vous prenez la tête, même à l'intérieur de vous, hein. Que cette personne, elle n'est pas libre. Il y en a trop. Bon, elle vous anime quand même, hein. Ouais. Ouais. Cette personne, elle est généreuse avec vous. Vous l'aimez bien. Mais vous avez envie, en fait, d'être un peu ce page de coupe. Ce page de coupe devant sa toile, ben... En fait, elle est à lui, sa toile, et il ou elle, je vois pas très bien si c'est une fille, un garçon, peu importe, mais cette personne, elle en fait ce qu'elle veut, vous voyez, c'est aussi de dessiner le destin, je veux dire l'avenir, vous voyez, et là, on séduit beaucoup, on attire cette personne à nous, on est dans les stratégies aussi pour l'attirer, pour la garder à nous, vous voyez. Et là, je pense que vous allez demander. Vous allez demander que la personne, elle se décide. Soit c'est vous, soit sinon c'est fini. Il y aura un ultimatum. Ouais. Vous allez dire... vous allez imposer un ultimatum ici. Il y a beaucoup de générosité de la part de cette personne. Et vous êtes très, très attirés l'un et l'autre. Mais aujourd'hui, vous avez envie de passer à autre chose avec cette personne et il faut qu'elle se libère. C'est ce que vous vous dites. Donc, vous allez, il y aura un ultimatum. Vous allez en discuter, clairement. Parce que vous avez pu, parce que vous avez peur aussi de vous investir qu'à la fin, il n'y a rien. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Je vais prendre celle-ci. Ouais, ça vous croque, hein, ça vous démange. Vous allez poser l'ultimatum à cette personne. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Vous supportez plus de partager, en fait. Ouais, vous allez demander à la personne de rompre ou de divorcer ou de se séparer. Ouais. Alors ici, on me dit un homme et une femme. Je dirais la maîtresse et le marié. Ou l'homme pris, que c'est l'homme qui est pris, qui a une vie de famille ou en couple, qui est déjà pris, et que vous, vous êtes une femme. Mais pour moi, comme c'est général, en fait, vous avez les deux polarités, vous avez le féminin, masculin en vous. Donc, c'est vous, quoi. Donc, c'est à vous d'adapter en fonction de ce que vous êtes. Ça vous croque, hein. Vous allez imposer un ultimatum ici, je le vois bien. Bon, bah écoutez mes chéris, prenez soin de vous, si vous avez besoin de mes services, n'hésitez pas, en dessous de la vidéo, vous avez mon mail pour me contacter, nathalia16000nati@gmail.com, et vous avez aussi le lien
pour accéder à mon site professionnel. Voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous et à bientôt. Bisous.